Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons customiser une dépanneuse. Donc, c'est une Renault Galion de la préfecture de police. Donc, elle est toute noire. Et donc, moi, je voulais un modèle un peu personnalisé pour mon garage vintage. Donc, on commence donc par dévisser par-dessous le châssis, hein. Simplement, il y a deux vis. Alors, c'est deux vis un peu spécifiques avec une empreinte en forme de triangle. La cabine est en métal, le reste en plastique. Donc, ça doit être du Zamac, la cabine. Donc, la cabine, on la passe donc au papier à l'eau. Donc, c'est du papier très fin. Moi, je suis parti sur du 1000. Du 1000, donc c'est le papier noir. Et puis, vous avez aussi du 1200, papier marron, pour les finitions. Donc, on passe tout ça au papier à l'eau. Pour mater un peu tout ce qui est peinture d'origine pour une bonne accroche de la peinture suivante. Donc une fois qu'on a poncé dans chaque recoin au maximum, donc on va passer au masquage des vitres, des feux, de toutes les parties qu'on veut protéger avec du scotch, tout simplement du scotch de peintre, du papier crêpe on appelle ça, qui se décolle assez facilement. Donc on masque tout ça et on passe à la peinture. Donc j'ai commencé par le châssis, par peindre donc le réservoir, les pare-chocs, les suspensions, le pot d'échappement, les jantes avec une sorte de gris acier. Ensuite j'ai donc peint la cabine en bleu avec donc le toit et les ailes blanches. J'ai appliqué deux bonnes couches de peinture à maquette. Voilà. Et donc ensuite on peut enlever tout ce qui est masquage avant que ce soit trop sec. Et puis après il faut un peu fignoler donc au niveau des petites bavures éventuelles. Et pour finir, donc on passe au vieillissement de la dépanneuse. Donc moi j'ai appliqué une sorte de vernis avec un petit peu de noir et de marron légèrement mélangé de façon à créer des zones de saleté, par exemple sur les ailes avant, les marchepieds, un peu sur les roues, voilà, à certains endroits où il y aurait des frottements éventuels, voilà, ce qui donne un petit peu un effet de vieillissement, de saleté et d'usure. Voilà ce que ça donne, donc au final un engin assez sympa qui correspond donc à mon garage et que je n'avais pas trouvé dans le commerce.